Bonsoir, merci d'être venu. On fait la dernière ce soir, comme Jean-Pierre vous l'a dit, et on a mélangé, on a fait une salade avec trois répertoires différents. Un répertoire tout neuf que j'avais écrit pour le trio. Ensuite, un répertoire de nos vieux morceaux, des morceaux qu'on n'avait pas joués depuis plus de 10 ans et qu'on a rejoué pour l'occasion avant-hier. Et puis ce soir, un mélange des anciens, des nouveaux, arrangé spécialement pour cette formation, avec donc l'ineffable Christophe Mognot au saxophone alto. Le fidèle Samuel Blaser au trombone. Et le merveilleux Fabrice Martinez à la trompette. Mes deux vieux acolytes de toujours, depuis si longtemps. On commence à se sentir vieux, mais pas trop quand même. À la batterie, Eric et Champard. À la contrebasse, Bruno Trévillon. Comme il y a quand même une tentative d'unité structurelle dans ce que vous allez entendre, ceci, je vous assure. On va commencer et finir, on va encadrer ce concert. Avec des morceaux des anciens, des vraiment anciens. Et on va commencer par un qu'on jouait en trio il y a vraiment longtemps, qui s'appelle Dialecte. Thank you.
Maintenant, on passe à un tout nouveau. Et on l'a seulement joué pour la première fois hier avec cet arrangement et cette formation-là. Ça s'appelle Inflammable. Thank you.
Ça fait partie d'un ensemble que j'ai écrit pour un autre orchestre formidable. C'est le trio avant Journal Intime qui m'avait invité sur un programme précédent qui s'appelle Extension des Feux. Et je leur ai renvoyé l'ascenseur, si on peut dire, et j'ai écrit pour la même formation, c'est-à-dire E3 plus moi, un programme qui s'appelle Paysage avec bruit. Et donc la minute promotionnelle, c'est qu'on joue la semaine prochaine au plateau. Eux font 3 soirs au plateau et moi je ferai 2 avec eux. Je pense que c'est mercredi et vendredi. Mercredi, ce sera Paysage avec bruit et vendredi, ce sera l'autre programme Extension des Feux. C'est super, ils sont super, ça vaut vraiment le coup de venir. Et donc on va jouer celui-là maintenant qui est tiré de notre programme, mais arrangé différemment, très différemment, et qui parle de sorcières, d'Asie et de renardes. Ça s'appelle Kumio. Thank you.
Thank you.
Cette soirée, ce répertoire, cette semaine, pour moi, cette résidence. Évidemment, je voudrais remercier le Triton. J'ai fait 17 concerts ici, j'ai fait 3 créations, j'ai écrit 3 répertoires, on a répété, c'est précieux. J'aimerais remercier alors de tout mon cœur mes amis qui me suivent depuis fort longtemps dans toutes les aventures les plus saugrenues et les plus improbables que je leur propose. Et puis les nouveaux amis. parce que voilà, on se lance des idées en l'air. Ouais, super, 5 soirs au Triton, on va faire 3 répertoires différents. Ouais. Puis au bout du compte, ça fait beaucoup de travail pour tout le monde. Et personne ne se plaint jamais, donc respect. Quoi. Voilà. Et puis, merci beaucoup à vous. Parce que, encore une fois, je sais que je dis ça depuis très longtemps, mais sans vous, on ne fait pas grand-chose. Et voilà, il faut venir dans des lieux comme ici, il faut venir écouter de la musique. Enfin, de la musique, quoi, qui est jouée par des vrais gens avec des vrais instruments et qui a fait bouger de l'air qui frappe vos vraies oreilles. C'est super les disques, c'est super les enregistrements, tout est formidable, mais simplement, c'est là que ça se passe, c'est là qu'on, voilà, c'est là qu'on partage un moment de musique ensemble et c'est ça qui est important. Et on va terminer par un morceau que j'ai pas écrit. Soulagé, hein. Ça me tient à cœur de jouer cet arrangement parce qu'on l'a joué un moment, il y a longtemps, on l'a joué en trio, mais il y avait fort longtemps, peut-être 26 ou 28 ans, que j'avais pas entendu la version que j'avais écrite à l'origine, qui était pour un groupe malheureusement éphémère qui s'appelait Seven Songs, et qui ne jouait que des morceaux tirés, très inspirés, des miroirs qui parlaient de la musique des années 60 et des chansons qui ont fait que je suis devenu musicien. Et il y avait tout particulièrement Bob Dylan qui était une espèce d'ovni quand on a entendu ce son, ces paroles, etc. au début des années 60 à la radio. Il n'y avait absolument rien qui ressemblait à quoi que ce soit d'approchant. Et pour moi, ça a vraiment été un choc et ça l'est encore. Donc on va jouer une espèce de chose que j'ai tricotée à partir de 2 chansons de Dylan. La dernière qu'on vous jouera ce soir, tout à fait à la fin du morceau, c'est la seule chanson dans laquelle Dylan ne chante pas de texte. Il chantait seulement à bouche fermée. Ça a été un gros tube quand j'étais à l'école. Et puis la première, celle par laquelle on va commencer, le texte est toujours d'actualité. C'est « Times they are changing ». Merci d'être venu. Thank you.
J'avais travaillé pour... je m'étais enfermé pour faire de l'écriture, pour cette en prévision de cette semaine-là. Et puis, c'est toujours un peu comme ça. On écrit, et puis en répétition, on cale les choses après. Et puis, il y a des morceaux qui sont bien, et il y a des morceaux qui sont moins bien. Et il y a des morceaux qui sont carrément pas bien du tout. Donc j'avais écrit une suite dont j'étais pas forcément mécontent en vrai. Ça s'articulait autour d'une longue période qui s'appelait Small et ensuite une courte coda qui s'appelait Big. On l'a répété avec Eric et Bruno. On va vous jouer Big parce que Small... Peut-être c'est les noms qu'il n'y avait pas. Faire gaffe au titre, vous saurez la prochaine fois. C'est parti. 1, 2...